Alors ça c'est pas mal ça. Ce pourrait être un vaisseau fantôme? Ah tiens. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Tu as raison. Nous ne pourrons pas diriger notre bateau avec ce brouillard. Hey, ce truc est vraiment un bateau fantôme? Un bateau pirate, ouais. Qui êtes-vous? Laissez passer le capitaine. Vous avez l'air un peu jeune pour des sous-fifres de lynx. Bah, on s'en tape. Qu'attendez-vous de nous? C'est à toi de voir. Chaque chose en son temps. Vos intentions. Fais pas l'idiot, on sait que tu veux te rendre au mont Pyr. On a vu les vaisseaux de lynx et du général Viper amarrés près d'ici. Tu veux leur porter un message, hein, c'est ça? C'est des conneries, on bosse pas pour eux. On va se les faire. Dégage de notre route, ou je te botte le cul si fort que t'atterriras sur une des lunes. Hein, vous êtes sérieux? Faudra m'expliquer. Ah, par contre, la mer en fond, elle est très mal faite. Je vois, c'est pour ça que vous êtes après lynx. Mais vous êtes pas au courant que vous risquez votre vie? Voyez, pas le danger que représente lynx? C'est un monstre, un seul monstre calculateur, l'incarnation de la mort. Pour être franc, on a une autre dose de rencontre avec lynx. Mais ça remonte à longtemps. Depuis, on a dû se cacher sous cette forme, ce navire fantôme. Alors comme ça, vous allez affronter lynx, hein? Facile à dire, mais... Arrête tes conneries, viens-en au fait. Sortez-moi le tu sais quoi. Capitaine Fargo. Je veux juste voir si vous avez les tripes pour affronter lynx. Les petits jeunes, je veux être sûr que c'est pas que de la gueule. Les pirates qui te donnent les infos pendant l'interrogatoire, je te jure. On dirait qu'ils sont prêts. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ouais, Kid est très vulgaire. En tout cas, dans cette traduction. Mais je pense qu'ils l'ont faite selon la version anglaise. Attends. D'accord, il y a des armures mâles et des armures femelles. Ça, c'est des ennemis qu'on a vus il y a longtemps. Je vais pas vraiment m'en plaindre, hein. Je pense à utiliser leur sein maintenant que je l'ai récupéré. Non mais elle est trop bien quoi, elle touche tous les ennemis. Fini l'entraînement, c'est sérieux maintenant. Polly! Hein? Putain, il mange bien cet oiseau, on dirait Aya. Avec son gros bidou là. Ça ne porte pas malheur une femme sur bateau?
I don't know. It is a superstition. J'ai pas vu c'est quel élément. Apparemment jaune. J'ai envie d'essayer plasma. Ah non, il est de nature rouge. Ok. Ah quand même, Final Flash. Ah non, c'est une Big Bang Attack, pardon. Je sais plus. Batman. Ah quand même. Ça fait un peu mal quand même, en vérité. Razzly. Ça marche, Florentin, bonne nuit. Il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de ne pas finir les actions d'un personnage, puisqu'on peut basculer sur un autre. Donc là, je la garde en heal si jamais. C'était pas foufou, hein. Ouais, ils font mal, hein. Si je tente ça, qu'est-ce que ça fait? Je veux voir la puissance du machin. Pas mal, carrément bien même. Alors elle je garde encore pour le moment en tout cas. Et j'aurais pas trop le choix, là je suis obligé de l'utiliser. Mais je peux garder ses points. Après je peux très bien balancer ça par exemple. Tout le monde est full, je devrais avoir le temps pour placer un soin quand même. Il a l'air mal en point. Ça se passe bien du coup. J'ai un effet vert, ce qui est très très bien. Je devrais peut-être le garder. Donc je vais garder lui en soin. Ah bah voilà. Même pas d'étoiles. Bah gaga alors. Il a dit, bien joué mais on se retrouvera. Ah, plus fort que je pensais. Mon sang ne fait qu'un tour. À mon tour. Ah ouais, on enchaîne, hein. Ça veut pas dire qu'il sera plus fort que le piaf. Joli, décolle et descends-les. Nature bleue, très bien. C'est parti. Tiens, mange ton esquive, espèce de pavot. On va
conserver ses points. Renforce. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis mes buffs des buffs. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. Après, c'est dangereux de passer tout en élément rouge. Pour la simple et bonne raison que lui, il est élément rouge, donc il va me faire plus mal. Ah non, pardon, il est bleu. N'importe quoi. Du coup, il avait un buff rouge alors qu'il est élément bleu. Ce qui n'est pas une bonne chose pour lui. Attendre. On va attendre pour le soin. Parce que là, j'ai un effet full rouge. Tâchons d'en profiter un minimum. Pas mal. Je vais quand même soigner. J'en ai plein. Donc c'est pas du gâchis. Et je veux à tout prix éviter un mort. Allez, c'est dans la poche. J'ai rien dit. Il avait ça en réserve. Ça va. Alors, ça brûle? Non, ça va. Et pour toi? Pas mal. Mais n'oubliez pas, on est des pirates. Serge? C'est un tranquillisant à base de venin de méduse. Ça va vous calmer un moment. Bon, ça suffit. Collez-moi ces tortues de terre dans la cale. Oh, le mauvais joueur. Ça va bien, Serge? On dirait pas. Restez sur vos gardes, il se passe quelque chose à l'extérieur.
Waouh, c'est pas évident de rester éveillé. Le brouillard est vraiment épais. J'arrive même pas à voir à 2 mètres. Non, j'ai pas peur. C'est le vrai navire fantôme, hein. Du calme, le chat. Ah! Il se passe un truc. Ah bah oui, il y a un squelette. Mais c'est bien, il va être efficace, notre cher Serge. Peut-être que je mette des attaques lumière sur les autres. Voilà du fer. Que foutent ces monstres ici? Que se passe-t-il? J'ai même pas eu d'étoiles. Pas juste. Ah d'accord. Ouais, les tablettes, on s'en fout. Là, je mets des sorts blancs parce que comme ça va me permettre, en débuffant un éventuel boss qui serait revenant, et donc sensible à l'élément blanc, puisqu'il va être certainement élément noir, de remplir la jauge qui va bien. Il y a une note. Garder la clé est une lourde responsabilité. Vous êtes donc encore en vie. Je vous voyais déjà mort quand ce monstre est entré. Tu pensais pas que la toute-puissante Kid y passerait si facilement? Bon bordel, qu'est-ce qui se passe? Désolé, je peux pas vous aider. Avant de comprendre ce qui arrivait, j'étais déjà attaqué. Continuez.
Mais non, j'arrive pas à entrer. Ah, c'est vraiment très précis. Hein. Comment êtes-vous sorti? Repartez au trou, celui-là est à moi. Il va peut-être me donner un truc si je l'aide. Putain, elle est stylée cette attaque, oh. Allez, à plus, bisous. C'est bien, on va se faire un stock de fer, comme ça on va pouvoir changer de stuff. Hein. J'aurais pu l'éliminer seul, vous savez. Merci quand même. Aquaball. On va essayer d'en raqueter un aussi. On dirait des homonculus. Pas de face. Du fer, c'est bien ce que je pensais. Pas d'attaque de zone, elle encore. Nice. C'est quoi ça? Un debuff apparemment. Quoi? Rien compris. Eh, je vous avais rien demandé. Ouais, mais je t'ai aidé quand même. Et t'aurais pu me filer un truc. Sale radin.
évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? J'ai même pas eu le temps de voir. Ça a défilé direct. Mais je crois que c'était un élément noir. Ah ouais, 2600 pièces d'or. C'est fermé. En tout cas, ça va beaucoup mieux vis-à-vis du dernier live. Hein. Au niveau des combats, ça n'a plus rien à voir. Bon, après, là, il y a la fée qui a remplacé Pierre. Kid et Korsha, ils se valaient, on va dire. Mais franchement, c'est beaucoup plus agréable. Ah oui, et surtout, j'ai pas le poison sur la tronche, là. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Ah, j'allais dire, putain, mais j'ai un poison là, parce que mes points de vie ont baissé. Et oui, j'en ai bel et bien. Hein. Là, je m'en fous, j'en ai 93 des antipoisons. C'est fermé, très bien. Ben, on peut monter. On va même accélérer un peu les combats. Hop.
Putain, il meurt pas encore lui. En tout cas, en thune, je vais me refaire. Hein. J'avais dépensé 10 000, je crois que je les ai déjà récupérés. Hein. Ouais, largement. Ah non, pas tout à fait. Ça c'est fait. Ouais, ça va plus vite comme ça en fait. Hein. Pas que je sois pressé par le temps, mais c'est quand même plus agréable de finir les combats un peu plus vite. Quand il y en a autant que dans ce jeu. Ça c'est fermé. Est-ce qu'on commence par la droite ou juste là? À mon avis, il nous laissera pas passer la porte, il va rester devant l'autre. J'aimerais bien récupérer quelques points de vie pour Kid, quand même. Merci du coup de main. Qui êtes-vous? Ah ouais, vous êtes les vers de terre qu'on a mis au trou. Mais comment avez-vous pu... Ça n'a plus aucune importance. Où voulez-vous aller? Une clé? Je ne sais pas qui l'a. Comme je pensais, on peut pas. Il m'a eu, il est juste là. Et merde! Il va falloir que j'en trouve d'autres, des comme ça.
Panacée. De quoi? Vous ne pouvez pas traverser le couloir? Fais chier. Alors passez par ce conduit, allez! Où ça un conduit? Ah. Dans cette zone, Serge, il s'éclate quand même, hein. Bordel, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va suffire? J'ai un petit doute. Non. Pardon, mais je n'ai pas cette clé. On va bien finir par la trouver. Oui, ça devrait lui faire mal. Bah ouais. Parbleu, comment êtes-vous sorti? Ah, c'est pas grave, on a d'autres chats à fouetter. Ouais, bah pousse-toi. Hein, quoi encore?
Vous ne pouvez pas sortir, il y a des monstres sur le pont. Comment? Une clé? Eh les mecs, qui s'occupe de la clé? Oui, c'est moi. Vous voulez la clé de l'arsenal, c'est ça? Attrapez. Ok. L'autre moyen d'aller sur le pont est de passer par l'arsenal en bas et faire le tour par l'extérieur. Vous devriez vous en sortir avec ça et surtout aider le capitaine Fargo. Je sais pas, hein. Bon, normalement ça respawn pas, on est tranquille pour faire le retour. J'ai quand même traversé 3-4 pièces uniquement. J'ai mis 20 minutes quoi. c'est ici je crois. Hein. Où est-ce qu'elle est? Je vois même pas. Elle est pas là en fait. Donc c'est pas ça. Ah, vous avez la clé. Bonne chance. C'est pas ça non plus. Donc c'est celle qui est à ma gauche ici. Je pense. Non plus. Et ben voilà. Nice. D'ailleurs, pour éviter de se retaper le chemin, sait-on jamais. Ok. Ouais, ceux-là, ils ont pas beaucoup de vie. Avec ça, c'est réglé. Par David Jones, je n'arrive pas à croire que vous soyez parvenu ici. Vous êtes plutôt bon. Goûtez ma boisson vitaminée maison. Avec plaisir. Cool, buvez. Razzlis s'est empoisonné. Au patron, on abusait, c'est encore en phase de test. D'accord. Je vais quand même en esquiver 2-3 si je peux.
que là on a un petit peu plus de place. On va s'il est tout seul. Bah non, j'aurais dû faire plasma. Il serait mort, hein, pour sûr. Quoique. Non, c'est pas dit en fait. J'aimerais trop une attaque de zone là. Mais une attaque de zone puissante. T'as vivement que je puisse retourner à la forge. Parce que là, du fer, j'en ai un. Hein. Ah zut, je voulais attraper l'espèce de mog là. Tiens, tiens. Hein. C'est une mouche, ça? Ça ressemble pas à une mouche, hein. En tout cas, ça a des points de vie. Mais stop mon kikiné les fantômes. Thank you.
Je le vois. Pourquoi vous continuez à m'approcher? Vous voyez pas que je me cache? Hmm? Vous voulez savoir pourquoi? Je suis un passager clandestin. Je veux voir la... la mer plus que tout au monde. Tiens, j'ai cherché le mot. Il est tard. Quand je me suis réveillé, il y avait des monstres partout. Ça m'a vraiment fait peur. Bon, je veux voir le monde parce que j'ai été dans une niche toute ma vie. Vous pouvez élargir mes horizons? Bah viens. Merci beaucoup. Non. Un personnage à recruter. Bon, bah c'est Pip alors. Hein. Pas dégueu. Nature sacrée en plus, enfin blanche. Limite, il serait bien pour ici. Mais si je le mets... Kid va pas prendre de stats. Graviton. Attaque noire. Ah, je crois qu'on arrive en haut. Tiens, un plasma. Super. Alors, on va mettre sur Razzly, je pense. Puisque Razzly a une très haute magie. Ouais, juste attends les gars. Attention. Est-ce que c'est le boss? Ça m'étonnerait. Non. Avec deux plasmas, ça va le faire. Bon, après, c'est pas son élément. Donc, on va voir ce que ça va faire. Ouais, quand même, hein. Ça se trouve, je peux finir avec un scory. Argue. Pas les trois. Hein. Bon, il est où le boss? Ils sont trop nombreux. Vous vous prenez pour des chiens de mer. Un peu de courage. Hein?
Capitaine, attention! Merde, les gars, le capitaine a besoin d'aide. Enlève-moi tes sales petites paluches de fantômes! Oh, il rigole pas, hein. Ah, on dirait qu'un mastoc est à l'horizon. Mince, mon bras. Ton petit nom, c'est Serge, hein. Va prendre les commandes. Hi-ho, capitaine. Je compte sur toi. Moussaillon, gardez la tête haute. N'oubliez pas que nous sommes des pirates à bord de l'Invincible. Tous à vos postes, il est grand temps de leur montrer qui nous sommes. Force et robustesse, mon capitaine. Serge, garde la tête haute, ils arrivent. Mais j'ai pris la barre, moi, je me bats pas. Ah, c'est ça, les boss? Ah, d'accord. Là, c'est plus un boss. Temps mort. Et ça fait ça? Puissance des éléments divisée par 2. Oh, c'est chiant, en fait. Alors, on va garder les trucs plus puissants pour après. Odeur de mort. Ok, ça fait quoi ça? Je sais pas, hein. Mais ça sent pas bon. Est-ce que ça a pas changé ma nature en fait? J'en sais rien. Peut-être mettre un petit plasma. À mon avis, il doit leur faire plus mal maintenant qu'ils ont ce truc-là sur la tronche. On va vite le savoir. Je sais pas, j'ai pas l'impression. D'accord, il remet ça. Je sais ce que je vais faire. J'avais oublié ça. Même si ça change l'élément, c'est pas grave. Imbécile.
Il fait que me débuff, mais il m'attaque pas beaucoup pour le moment. Je sens qu'il va me sortir un truc là sur la suite, ça va faire bobo. Allez, tant pis. Ouais, je crois qu'il faiblit là. Mais non. J'allais taper là. Bonne nuit, Mona. Ça va peut-être suffire, ça. Eh ben non. Elle l'a fini. Impeccable. Oula. On dirait que la mer est normale à nouveau. Comme vous allez au Fort Dragonia à la poursuite de Viper et ses hommes, laissez-moi vous donner un conseil. Le Mont Pyre est un enfer. Sans protection contre le feu, vous allez faillir très vite. Il serait sage d'aller voir le Dragon Bleu et lui demander sa protection divine. Même si j'ai pas entendu grand-chose à son sujet ces temps-ci. Je me demande même s'il est encore en vie. Pour dire vrai, j'ai pas eu de nouvelles des autres dragons non plus. Et ces monstres qu'on vient à peine de tuer, c'est quoi ce monde? Je vous dis, moi, même la mer semble bien avoir changé. C'est sûrement à cause de la façon dont nous autres humains nous comportons. Ouais, ouais, j'ai pas besoin de ces mièvreries de la part d'un pirate. Par la barbe de Neptune, qu'a-t-on fait? Le dragon bleu, il a dit? Ah d'accord, ça y est, on est libre de nos mouvements. Très bien. Mesdames et messieurs, a priori, on doit se diriger pour Dragonia. Ce sera pour demain soir, évidemment, à 20h. Mais avant ça, on doit aller voir le dragon bleu pour obtenir quelque chose afin de se protéger du feu. Ce sera donc Dragonia, le dragon bleu avant Dragonia en premier lieu. Très bonne soirée, très bonne nuit à toutes et à tous, et très bonne semaine en perspective. Ciao, bye bye.